Hello, hello! Coucou! Salut! Et bienvenue pour un nouveau vlog! Oui. Mais où sommes-nous? Alors d'abord, avant de vous dire où nous sommes, toi tu sais, je vous fais un petit tour de l'appart-hôtel qu'on a trouvé, qui est très 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 mignon. Alors déjà, quand on est rentré dans la pièce, on a trouvé que la première impression était trop trop cool par rapport à la déco. Le carrelage, la table prête avec les petits sets de table naturels, l'ambiance naturelle en fait. Oui, c'est ce que tu disais, ouais, il y a plein de déco là-bas. Ça fait très... Le phare, la mer, les bateaux. Ouais, c'est trop mignon. Et la cuisine, elle est trop, trop canon. La petite cuisine comme ça. Alors, équipée en plus, puisque bouilloire, machine à café. Là-bas, il y a les petites capsules, il y a du thé, micro-ondes, lave-vaisselle. Tu m'as dit qu'il y avait tout, hein. Il y a lave-vaisselle là, machine à laver à gauche. Machine à laver à gauche. Derrière moi, ici, là, dans... Le frigidaire, voilà. Attends. Alors, manger le frigo, ok. L'autre côté, waouh, ah ouais, super bien équipé. Bon, avec la vaisselle très mignonne. Oh, il faut que je vous montre. Parce qu'avec Jen, on a trouvé ça trop mimes aussi. Les tasses qui font très, très, très vacances. Enfin, vraiment, ouais, super bien équipé. Les petites plantes et tout. J'adore l'ambiance. Mais ce n'est pas tout. Je savais qu'il y avait deux chambres, mais je ne pensais pas que ce serait aussi grand. Donc là, on a une première chambre. Avec... C'est pour Jenna et toi. C'est vous qui avez dormi là, avec la petite penderie et tout. Ensuite, porte-manteau un petit peu partout pour les affaires. La chambre où ont dormi papa et maman, avec pareil la petite penderie. Ouais, moi je me suis déjà installée, hein, voilà. Et la salle de bain. Attends, on va allumer pour leur montrer comme c'est. Ambiance hyper moderne en fait. Oui, il y a la ventilation qui s'allume en même temps avec cette lumière-là. Donc, voilà où nous allons passer deux nuits. Enfin, du coup, on en a déjà passé une. Il y en a plus qu'une. Mais ça va être trop, trop cool. Du coup, on n'est pas complètement, complètement prêt. Puisque moi, il faut que je m'occupe de mes cheveux. Jessie aussi. Il faut faire la petite coiffure. Et ensuite, on décolle. Pour aller où? Surprise. Et regardez les petits escaliers, j'adore. Coucou les filles, vous êtes trop près, vous êtes trop près. Là on vous voit bien. Toute la déco est comme ça. En fait. Allez, on continue. Et forcément, la première mission de la journée, la toute première, c'est quoi Jessie? Le petit déjeuner. On en profite pour faire une petite balade. Hein. Ah. Ah ouais, elles sont folles. Elles sont vraiment jolies. Ouais, toutes les couleurs et tout. Oui. C'est super ça, ces genres de chaussures, ça va avec absolument tout. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oh, elles sont belles. Non mais non, mais ici c'est le paradis des chaussures. On est twins. Le problème de quoi? Nous sommes où? En Espagne. En Espagne. Oui, oui. Elle a bien un petit chien. Elle a bien un petit chien. Elle est comme Jen. Tous les chiens. Bon, c'est le petit-déj qu'on cherche oui. À la base. Hein. C'est pas une paire de chaussures. Quoique, n'est-ce pas Jen? On peut aller petit déjeuner avec classe. Hein, moi, écoutez, je n'ai pas besoin de chaussures. Forcément, je suis déjà... Eh, t'as déjà la bonne paire de chaussures, toi. Voilà. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on mange ce matin? Oh là là. Oh là là, attends, non, je regarde de tous les côtés. Croissant au chocolat. Waouh, wow. Toi, tu m'as montré quoi? Ouais. Ça, regarde. Et les petits trucs là aussi. Ah, un gâteau au citron, j'ai vu. Il y a un gâteau au citron. Ah oui, une tarte au citron meringuée derrière, Sam. Oh là 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 là. Non, mais il faut absolument pas voir ça dès le matin. Tu sais, j'avais pas excessivement faim pour le coup. Et là, c'est en train de venir en voyant tu peux tout manger ça. Un petit croissant au chocolat. Oh oui, c'est tout mignon. T'as pris un chocolat chaud? Oh, trop trop cool! Cacao latte, pas Coca-Cola. Regarde, c'est marqué là en vrai. Cacao latte. Le même qu'au camping, tu te souviens? Ah oui!
Et donc c'est parti pour le petit déj. On a un croissant, un americano par ici, les chocolats chauds des demoiselles, des mini croissants avec du chocolat. Mais alors il y a 3 tonnes de chocolat. Oh bah tu sais, tu l'attrapes et tu mords dedans. Et pour ma part, la même chose. Jen aussi a pris les mini croissants au chocolat et un jus d'orange frais. Oui. Régalez-vous. Merci, moi aussi. Oh là là, la dame, elle a amené le feu plus près de toi pour que tu aies chaud. C'est chouette, ça. Ça tient très chaud. Oui. Ces trucs-là, c'est hyper efficace. On est très contents d'être assis à côté. Ça me fait le feu sur la tête. Oh, carrément. Ah oh, oui, t'as raison. Attends, ça prend feu. Wouh. Crapule. Mais le feu, il est dedans. Mais oui, oh là là, maman, qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, cette maman, alors... C'est très joli et c'est très efficace. Oui, parce qu'on est quand même à l'extérieur là, en fait. Hein. En fait, là, c'est ouvert. Voilà. Attends, je t'aide. C'est bon? Toute seule? T'es une grande fille. On venait payer le petit déj et on tombe sur les sandwichs. Et oh là là, j'ai plus faim les gars, mais les sandwichs quand même, ils m'appellent un peu. Hein. Ça a l'air. Il y a un gâteau à l'Oreo, incroyable. Si on n'allait pas se balader aujourd'hui, je sais qu'on aurait mangé ce midi. Hein. Le petit déj était vraiment très sympa. Et là, on va dans l'autre sens parce qu'on va prendre la voiture. Mais du coup, je vous montre, on est passé devant tout à l'heure. Mais alors, quand on arrive de ce côté-là, c'est tellement beau. Allez, let's go pour la balade. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. T'es prête? Oh, t'as piqué les lunettes de papa, toi. Il s'en est pas rendu compte, en fait. Il s'en est pas rendu compte? Comme vous voulez. Ah, ah bah non, pas par là, non. Tu m'en rends mes lunettes? T'as vraiment cru qu'il allait les oublier? Oh, elles viennent de passer juste au-dessus. Oui, parce qu'en fait, on vous a pas dit, mais la mer, elle est juste là. On est à une rue de la mer. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, c'est des chouettes. Non, c'est des mouettes. Excellent. Chouette, mouette, ça finit pareil. C'est voilà, ça. Oui, donc en fait, l'appart hôtel est là. Et la mer est là. Voilà, voilà. Là, on va d'abord aller se balader, Namour. Je pense que l'eau, elle est un petit peu froide. Ouais, l'eau, elle est un peu froide en ce moment. Enfin, il y en a qui aiment bien se baigner dans l'eau froide. Hein. C'est pas trop notre truc. Non. Toi, t'aimes beaucoup? C'est ça, oui. Mais avant de prendre la voiture, on s'est dit quand même, on va aller voir la mer. Il fait beau aujourd'hui. Il fait très très beau. Là, je suis à contre-jour. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais il fait beau, il fait bon pour le coup, au soleil comme ça. C'est chouette. Ça fait du bien, hein? Oh, regarde. Il y a rien au bout. Je pense qu'il manque une petite partie. Il y a pas de voix, des choses de loin. T'as vu les mouettes qui ont atterri ici, c'est ça? Oui. Eh oui, elles venaient en direction de la mer, les mouettes. Oui. Eh oui. Les mouettes, ça adore quoi? Mais ça adore aller à la mer. Comme nous. Première destination. On voulait venir voir quelque chose parce qu'on a vu passer des photos et on s'est dit waouh, c'est trop beau. Là du coup, il y a un petit manque d'eau certain. Mais vous allez voir un petit peu après, c'est trop trop joli. Bon, imaginez avec une belle imagination, avec vraiment de l'eau. Non mais il y a des moments où il y a plus d'eau que d'autres, je pense. Tu mets l'image Google. Mais sinon, c'est hyper joli, c'est vrai, toutes les couleurs et tout. T'as vu, il y a des passerelles là-bas, ouais, pour traverser. Magnifique. Et voilà, quand il y a plein d'eau, ça donne vraiment une image, on vous la mettra, promis, qui n'est pas tout à fait la même. Mais ça a son charme. Du coup, on passe par la rue qui est juste derrière et je regardais l'architecture. T'as vu, Jen, tous ces balcons-là qui dépassent? C'est incroyable. Ouais. Ah, vous le savez, j'adore. Je me balade souvent la tête en l'air hein, quand on visite comme ça. Yes. On arrive à la passerelle. Alors. Oh, c'est vraiment sympa ici. C'est hyper coloré. Ouais. Alors je sais pas si on voit bien. La passerelle, oui.
là comme ça. Il y a vraiment plein de couleurs et l'eau quoi. C'est super. On continue la balade. Je profite, je regarde. Non mais les petites rues sont trop mignonnes. Je sais pas du tout où on va, on se balade, on découvre. On voit plein de magasins avec des bijoux fantasy. Jen est comme une dingue. Mais on se dit que si on la laisse rentrer dans une boutique, on la retrouve plus. Ouais, il y a des chances au retour effectivement. Donc voilà, on marche. Oh oui. On s'est arrêté devant cette vitrine. Alors vu qu'il y a plein de lumière, je sais pas si vous verrez bien, mais... Ah, ça, ce sont des spécialités. Oui, c'est la douceur typique de Girona. Oh là là, bon, on vous voit plus, vous, dans le reflet de la vitrine que les gâteaux. Mais est-ce que vous arrivez à voir? Ça a l'air vraiment appétissant. Ouais. On a trouvé un autre petit chemin avec une autre passerelle. Oh, waouh! En fait, si tu veux vraiment voir l'endroit du meilleur point de vue, je pense que c'est ici. Il y a vraiment toutes les couleurs. Je vais aller, attends, carrément. On voit des algues au fond, et oui, chérie. Là, en plein milieu. Bougez pas! Coucou! Ah ouais, d'ici, c'est super sympa. Oh! Vous sentez la passerelle, elle bouge? Oui. Tu sens? C'est parce que je suis dessus. Ah, merci, j'apprécie énormément. Non, faut pas sauter, ça va faire bouger la passerelle. Non, mais c'est incroyable. Jen, elle est pas rassurée. Bon, je suis contente. Là, ça ressemble beaucoup plus aux photos qu'on a vues. Et c'est vraiment atypique, hein, c'est chouette. Ouais, vraiment. Trop cool. Bon, avec Jen, on était allé faire un petit tour chez H&M pour voir s'ils avaient. Mm-hmm. Et quand on sort, où est-ce qu'on trouve Jessie et Sam? On est au magasin de Bombay. On vous a vu. Magasin de Bombay, c'est papa qui t'a appris ça. Oh là 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 là. C'est sûr que ça fait envie. Oh, j'adore ça. Tu veux? Oh ouais, j'en veux bien quelques-uns, j'adore. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Attends, hop là. Moi, je te tiens. Merci, chérie. Mais de toute façon, là, il faut pas que je commence à regarder parce qu'il y en a plein d'autres que j'adore. Hein. Là, ouh, ça, miam, miam. Oh, t'as vu celle-ci? Tu veux goûter? Je veux pas non plus en prendre 25 000, hein, si vous voyez ce que je veux dire, mais il y en a que j'avais encore jamais vu. Oh, regarde! Les grands dauphins, je m'en souviens de ça. Ouais. Ah non, moi je m'en souviens pas. Ouais, c'est histoire de goûter. Oh, je veux bien goûter un truc comme ça. Jessie, tu veux des bananes? Moi j'aime ce qui est acidulé. Mmh. Oh là là. Moi j'ai une brosse à dents. Une brosse à dents? Moi j'ai une brosse à dents là-haut. Attends, attends. Faut qu'on m'explique où ça une brosse à dents. Oh oui, des coquillages à côté. Il y a des petites brosses à dents. Oh, trop rigolo. Allez, une petite brosse à dents, Jessie. Bon, bah en fait... Je vais à manger. Je crois que c'est pas que Jessie hein, qui aime les bonbons. Coquillages? Si. Oui, coquillages. Ça te fait plaisir? Oui. Oui. Alors attends, ça c'est le butin de qui? De moi, ça c'est moi. Ça, ça c'est le ça, tien. C'est ça, c'est, le c'est pour Jessie. Ouais. Et maman et papa, on a mis quelques-uns aussi. Et une... Oh, il y a une tutute en forme de lapin. Tu sais, lapin. Et alors, quand même, juste parce que du coup, quand Sam m'a payé, il a été choqué avec Jen. Moi, j'écoutais pas. J'étais avec Jessie. 8 euros pour tout ça. C'est incroyable. Regarde, je vais dans le paquet tellement je suis étonnée hein. Aussi. Il y en a beaucoup. Oui. C'est cool. On va s'asseoir sur le banc. On va s'asseoir sur le banc. Ah bah, j'en étais sûre. Mais ce serait pas plutôt l'heure de manger, là, les kikis? Waouh, il a l'air incroyable, celui-ci. C'est tout mou à l'intérieur, c'est ça? Ah, c'est yes. Fraise. À la fraise? C'est bon? Cool! La sucette tutute! La sucette tutute! C'est rigolo! À quoi c'est, tu crois? À la fraise? À la fraise. À la fraise? Dedans, alors, attends. Dedans, il y a un truc dedans. Je vais prendre un petit fruit comme ça, je les aime trop. Bon, j'avais dit que c'était l'heure de manger, non? Ouais, on ira après, c'est pas grave, c'est les vacances. Ça, c'est mon bonbon préféré. C'est à la pêche, si j'ai pas de bêtises. Mmh. Oh, waouh! Guimauve. Mmh. Toujours en train de se balader, et là, on passe devant une vitrine et on se dit.
En fait, regarde, c'est des vieux Macs. Ouais, c'est incroyable. Parce que t'as vu? Non, mais regarde, il y a un tome, genre. Je m'en souvenais même pas de celui-ci, en vrai. Moi, je les ai pas connus. Et effectivement, ceci explique cela, mais ouais, c'est fou. C'est trop rigolo. Allez, on continue. Ils nous ont pas attendus, regardez. Vous avez gagné. Vous a rattrapé, bah oui. Vous avez cru que vous allez pouvoir nous semer comme d'habitude. Mais du coup, là, on se retrouve carrément de l'autre côté de la vieille ville. Oui, on l'aperçoit. Ah ouais, on a pas mal marché. Hein. Ici, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. C'est vrai. On peut même descendre en marchant, en fait. Ah ouais. Au revoir. Non, mais non, je reste avec vous parce que je sais pas. Ah si, on peut remonter là-bas au bout, remarque. Imagine, ça va se passer. La balade est sympa. Vraiment très très sympa. En fait, j'avais pas notion que les Cassès sur l'Aunière, enfin des l'Aunière, je sais plus comment est-ce qu'on dit, je vous l'écrirai, j'avais pas notion que c'était vraiment dans la vieille ville même, à Gérone. Et du coup, on était pile poil au bon endroit pour continuer la balade après, découvrir la ville et tout. Très très chouette, très très sympa. Et maintenant, on essaye de trouver un petit endroit où manger. Oh, excellent! Des gâteaux comme ça? Bonhomme avec du chocolat. Oh, non! Une tête! Une de tête de licorne! Il y a oui. Des licornes, c'est une excellent! Tête de licorne. Ah oui! Tout en haut à gauche! Ah oui, je peux voir! Et Super Mario? Enfin, Luigi, du coup! Super Mario! C'est bon, c'est installé! On a trouvé où manger quelques petites choses très sympathiques. Donc, on attend. Il y a quelques tapas dans l'histoire! Ouais! Waouh, des pâtes à la carbonara pour Jessie. On a du pain, tomate et ail ici. Il va falloir qu'on mette nous-mêmes la tomate et l'ail dessus. Du chorizo, on a du fromage et moi, j'attends un petit plat. Il est arrivé, alors moi j'ai pris du provolone avec des miettes de poulet et de la confiture de tomate. Regardez comme ça a l'air trop bon. Est-ce que vous vous en sortez avec votre pain con tomate? Oh là là, ça va être trop 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 bon. Tu te régales chérie? Alors j'ai goûté les pâtes à la carbonara de Jessie, elles sont délicieuses. Régalez-vous tous. Merci. Un peu aussi. Aussi. Un peu de salade dedans. Non, c'est pas de la salade chérie, c'est des petites herbes pour aromatiser. T'adores? Trop bien. Bon, je vous confirme, ce plat c'est une découverte. D'ailleurs, j'ai partagé avec Jen qui se régale aussi. C'est super bon, on est d'accord? Trop bon. J'ai fait goûter à Sam, tu valides aussi? Provolone avec un petit peu de poulet et oignons, olives, capres, tomates et compote. Non, pas compote, confiture. Le confiture. C'est de la confiture de tomates. Bonne idée. Ça fait le petit truc sucré salé, c'est maman, délicieux. C'est la même chose que Jenna. C'est Jenna qui vient de me piquer mon assiette en fait. Parce que c'est très très bon. Mais d'ailleurs, tes pâtes à la carbonara sont excellentes aussi. J'ai goûté et je valide aussi. Mais ouais, vraiment ce plat. Excellent. T'as entendu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui dit, t'as goûté deux fois. Oui, c'est vrai, j'ai goûté deux fois. Elle compte, tu ouais, sais, on sait jamais. Imagine, je lui mange tout son plat. En fait, vraiment, elle a dit la deuxième fois que c'était pour vérifier. Ouais, je voulais être sûre, vraiment. Attention, il y a une troisième qui arrive. Bon, en même temps, elle va pas tout finir, on est d'accord. On verra, on verra. Moi, j'en suis pas sûre. Ceci dit, tu as bien mangé. Elle mange très bien. Oui, tu as très très bien mangé. Depuis qu'on est en Espagne, je trouve qu'elle mange particulièrement bien. Mais elle a dit tout à l'heure qu'elle aimait Londres. Après, je lui dis oui, mais on est en Espagne. Ah. Oh, j'adore l'Espagne. Les enfants. Bon, bah, elle lui a fait sa fête à mon plan. Beaucoup trop mignon ce jeu de voiture pour Jessie. Elle mange des gâteaux, des tablettes de chocolat. C'est excellent. Passe dessus là, passe dessus, oui, comme ça on accélère. Bravo! Super, championne! Beaucoup trop mignon. Bon, on est venu faire un petit tour dans un magasin. Comment ça s'appelle ici déjà? Les doudous! Oh, je sais plus, je vous le dirai en sortant. Mais. Poema. Le problème, c'est que c'est le paradis des produits. C'est le produit que tu sais sur Yes Time et qui était plus Bye Bye Blackhead. Oh, génial! En fait, on est dans le Coréa République.
Jessie et les doudous, toute une histoire. Et ouais, il y en a de partout. Regardez, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand je vous dis qu'il y en a de partout, on ne sait plus où donner de la tête. Et pourtant, on a déjà commencé à faire un petit peu de shopping. Mais c'est très difficile, hein, là, de choisir. Il y a tellement de masques, de produits en tout genre, d'exfoliants, de crèmes pour le corps. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Je kiffe, il y a des pompes de bain. Tu kiffes, il y a des pompes de bain. De couleurs. Waouh, elles sont trop belles. Non mais regardez ça, il y en a partout. T'es fichue, elle veut des grosses pompes de bain. J'en ai assez de vous, toutes les trois là. T'en peux plus? Oui, c'est fini. Oui. Je crois qu'il en a marre de nous. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Oui. Avant, il y en avait deux. Ouais. Maintenant, il y en a trois. Il y en avait qu'une, après il y en a eu deux. Girl power. On est là. Oui, Choisis bien. Regarde, chérie. Oh, cupcake. Trop sympa. J'allais dire, tu peux mettre dans le panier. Tu peux mettre dans le petit panier. Si, si, il y a encore de la place. Ça va, ils sont gros, les paniers. Allez, ça suffit. Ils ont bien calculé. Voilà. Il y en a beaucoup, dis donc. C'est pour toi, tout ça. T'en as de la chance. Regarde, sinon, il y a des petits paquets avec plusieurs petites. C'est cool aussi, ça. Il y a des pompes de bain. Regarde, des pompes de bain différentes. Oh oui, t'as raison. Elles sont trop belles. Ceci dit, 1,99€. C'est génial, bah faut en prendre un petit paquet. Waouh, c'est hyper intéressant. Oui chérie, oh regarde, il y a des lots comme ça, elles sont belles aussi. On peut prendre ça? Bah oui, bien sûr. Trop cool. Je vais les prendre. Bah oui, je me doute. Mario Badescu. Franchement, il y a toutes les marques qu'on kiffe. Oh là 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 là. Je l'ai la mais trop cool. Il y a aussi plein de marques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Love Fest. Ça appelle au festival. Ça appelle on est d'accord, ça appelle au festival. Là, on est dans de la couleur de festival ou quoi? Mais attends, attends. Faut que tu m'expliques un truc. Ouais. T'en as marre de nous? Oui. Mais c'est toi qui nous pousse à la consommation. Je suis extrêmement gentil. Oh là là. Ces palettes sont très très jolies. De toute façon, tout est très sympa. Là, le problème, c'est ça. C'est que tout est très chouette. Et regardez, regardez, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Regarde, Good Vibes, Why Not. Oh là là. Tu nous as perdus. Bon allez, à demain. Ciao, ciao, ciao. Non mais regarde. Ouh, il y en a partout, partout, partout. Adoré de tous les temps. Sensational. Ouais, c'est vrai qu'il est bien celui-ci. C'est le meilleur. Regarde, Catrice. Oh, je connais pas ça. Ah bah, c'est... Je connais pas. On a NYX ici. Oh, il y a un rayon pour les princesses, ça. Regarde. Carrément. Carrément. T'as vu ça? Et il y a un miroir. Et... I'm a princess. Oh bah moi, j'ai une princesse en Barbie. Oh oui, t'as raison, c'est Barbie. C'est incroyable, il y a tellement de choses. Bah moi, je te confirme, si tu veux boire un petit café ou aller t'installer quelque part, à mon avis, ce sera moins long pour toi. Parce que là, tu nous as perdu. Jen, tu voulais des pinceaux? T'es trop petite, toi, pour des pinceaux. Bon, allez, on jette réellement un coup d'œil parce que là, je filme. Mais Sam, je pense, il en peut déjà plus. Donc, on vous montrera sur quoi on a craqué un peu plus tard, dans une autre vidéo, peut-être. On verra.